depuis le début, non? Mais non, frère. Mais t'es chef. Je m'en fous, je m'en fous, t'es chef. J'ai voté pour toi, t'es chef. Tout le monde a voté pour toi, t'es chef. T'entends? Là, avec 12 épreuves, tu finis ton aventure, tu kiffes, vous reportez ensemble. Arrête de pleurer, mon frère. Ok? Amis, j'espère que vous allez bien. On est enfin rentré à Paris. On était en Belgique, on avait pas mal de choses à faire, donc on a pas pu trop snapper, etc. En tout cas, on est rentré. On reste quelques jours à Paris encore. Après, on redescend, on repart pour encore une fois gérer des trucs, mais des bons trucs pour une fois là. Donc, on est content. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien et passez une bonne fin de journée. Amis, je vous remets l'offre de Romantic Agency. Je vous rappelle l'application de rencontre numéro 1 qui renforce l'alchimie virtuelle grâce aux clips vidéo de 20 secondes qui vous permettent de vous présenter beaucoup plus naturellement et beaucoup plus réel qu'une simple application de rencontre normale. Donc je vous remets le lien en swipe up. Je vous montre comment c'est présenté sur l'appli. Elle est très très bien faite. Je vous rappelle qu'elle est créée par des femmes. Donc bien sûr que tous les profils sont vérifiés. Il n'y a aucun profil fake. C'est que du vrai et tout est vérifié. C'est une application vraiment sûr et c'est une des meilleures parce que c'est celle qui est le plus optimisée pour l'alchimie virtuelle. Donc c'est le fait de pouvoir pas seulement chatter, c'est un peu plus profond que ça et je trouve vraiment que c'est une application parfaite pour ceux qui cherchent toujours l'amour. Donc je vous remets le lien en swipe up et donc allez-y si vous êtes célibataire et si vous voulez finir votre été en beauté. On se retrouve sur Romantic Agency, donc voilà comment la partie profil est présentée. Là vous avez vos photos. Et là, vous avez l'onglet « Répondre en vidéo ». Et là, vous pouvez donc vous présenter en 20 secondes, pas plus, pas moins, pour vraiment donner le maximum de vous, pour vraiment donner la meilleure version de vous-même. Les amis, on a une photo collector, il faut que je la partage. C'est la toute première photo. C'est notre photo à Marrakech, donc il n'y avait aucune ambiguïté ou quoi que ce soit. Non, il n'y avait rien même. Et en fait, c'était la première fois qu'elle sortait son appareil photo dans la villa. Et la première photo, c'est qui? C'est avec moi. C'était un signe. Ouais, c'était la toute première que j'ai pris avec toi. Parce qu'en plus, on n'a pas le droit à l'appareil photo, donc moi, je le cachais. Ah, t'es une thug. T'es une thug. Puis j'avais le front exposé. Avec... Ah putain, t'avais un gros bouton. Non, c'est pas un bouton, c'est la porte du van. J'avais pris la porte du van avant de rentrer dans la villa. Oh là là. J'avais pris la porte du van parce qu'on avait des yeux bandés et du coup, j'avais comme un gros ch'tard sur le front, mais c'était vraiment une blessure. C'est pas un ch'tard plein de pus. Incroyable. Ça va? Ça va toi? Deuxième vidéo connector et elle me dit putain mais t'es moche là, vraiment horrible, mais t'es ouais. Vraiment glow up. Vraiment, la glow up de dingue. Regardez. Pourquoi j'étais moche? Je te présente Simon de Benjamin Castaldi. Merci. Allez. Tu dis que comme ça c'est bien, c'est cool. Mais non. Tatoué. Il est avec nous. Hein bah, on est là dans la chambre. Le bordel féminin présent. Oui, je l'ai déjà montré ça. Moi je rôde parfois dans les nuits pour vérifier que tout est bon. Oui, fais attention aussi de pas te planter. Lila, wesh. J'ai déjà vécu ce moment en fait. C'est juste que ton cerveau il bug. Ça va d'accord.